première rentrée des classes pour l'Institut de formation politique du PDCI-RDA. L'art de communiquer, de débattre et de convaincre. C'est le thème qui a retenu l'attention des participants à la maison du PDCI-RDA le mardi 14 décembre 2021. Cette conférence débat, organisée par l'Institut de formation politique du PDCI-RDA, a été animée par le député maire de Makori, Abi Raoul. Il a été question pour le conférencier, au cours de ce séminaire de formation, d'entretenir son auditoire sur les principes de base de la parole en public, l'art de communiquer, le comportement face au public et bien plus. Il a également fait ressortir le lien entre la politique et la communication. Ce qui est important qu'il faut retenir, c'est que la communication fait connaître ses idées, savoir débattre et convaincre est le soubassement même de la politique. Si vous ne pouvez pas convaincre vos électeurs, si vous ne savez pas débattre avec vos contradicteurs, vous ne serez jamais convaincant. Donc, ce séminaire a pour objectif, a pour philosophie d'apprendre à mon auditoire comment je communique, comment je débat et comment j'arrive à convaincre mon auditoire. Ça, c'est le thème de cette formation. Alors, je pense que, in fine, celui qui sort d'ici doit pouvoir avoir ou maîtriser un tant soit peu les techniques de communication, les techniques pour débattre et les techniques pour convaincre. En principe, celui qui sait communiquer peut vendre un programme. Celui qui sait communiquer peut débattre avec ses contradicteurs. Celui qui sait communiquer peut convaincre son contradicteur. Donc, au commencement de la politique, était d'abord un programme et ensuite le faire connaître ce programme. Le faire connaître, c'est à travers un outil qu'on appelle la communication. Mieux présenter les choses, mieux faire connaître son programme. Ce séminaire-là, c'est pour tous ceux qui doutent un tout petit peu, qui ne savent pas l'importance de la communication dans les rapports politiques. Ça, ce séminaire, c'est pour eux, pour qu'ils prennent conscience que sans la communication, on ne peut rien faire d'essentiel. À la fin de la formation, les participants ont été soumis à des exercices pratiques afin de mieux appréhender le thème.